clever word sets off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance, and I believe in you, it was real. Et salut tout le monde, c'est Shaker77 et comme on se retrouve pour l'épisode 12 de la conquête de Laser, et comme promis, on se retrouve au beau milieu de l'océan, la nuit, etc. Donc si vous vous demandez qu'est-ce que je fais là, et bah c'est que vous n'avez pas vu le précédent épisode. Donc bref, n'importe quoi, c'est reparti, c'est que du fun, c'est que de l'action, c'est que du... Au secours! Oh non, mais ça y est, mais... Oh là là, mais... Je suis perdu... au milieu de l'océan avec un squelette, je défonce direct, hein, ça c'est clair, avec mon épée en gravitite qui le fait voler. Bah il est où? Ah ok, il est dans l'eau là. Voilà, tiens, alors ça s'appelle À la conquête de Laser et je me retrouve dans le monde normal. C'est normal. Monde normal, c'est normal. Non, excusez-moi. Alors, comment vous voulez que je me sente de ce n'importe quoi? Mais je suis où, quoi? Est-ce que... Non, mais même pas. Ma base, elle est à 500 km. Ma base dans le monde normal est à 500 km. Il fait nuit, on voit rien. Comment je retourne dans les heures? Il faut que je me fasse un portail. Écoutez, j'ai vraiment pas envie de tricher, hein. Donc on va faire ça, c'est l'aventure, hein. Écoutez, c'est du fun ou pas, mais voilà, c'est comme ça. Donc on va essayer de se faire un portail vers les heures. Et comment se faire un portail vers les heures? Il faut trouver de la glowstone. Et comment trouver de la glowstone? Il faut aller dans le Nether. Et je sens que cette saison 2 est partie pour 10 bons épisodes de plus, voilà. Donc ça c'est dit. Alors, on va se faire une base. Oui, normalement, je serais en train de pleurer et tout, mais là, je sais pas, ça m'amuse, je suis motivé, je suis... Voilà, c'est cool. C'est pas cool, mais enfin, voilà. J'espère que vous, ça vous ennuie pas si, voilà, ça tourne un peu comme ça, ça tourne, une partie de l'aventure risque de se passer dans le monde normal, là, je sais pas. C'est marrant. Ça serait bien qu'il fasse nuit, par contre. Ça, c'est sûr. On va se faire une petite base, peut-être là. Bon, je vais voir ce qu'il y a un peu plus haut, un peu plus par là. Ouais, ici en hauteur, on va se la faire. Tout en haut, non. Ouais, là. Ah, mais ah, un village de PNJ, c'est parfait. C'est parfait. On va aller sur une base là-bas. On va pas être obligé de construire des trucs. Chose que je n'aime pas vraiment. On va juste se faire un coffre, poser quelques affaires. Bon, non, lui, je le sème. D'ailleurs, c'est fantastique, hein, avec cette petite pomme. Oui. Que je tiens dans la main, j'ai nourriture à volonté. Ça bug un peu, excusez-moi, c'est parce que ça charge et avec Fraps, voilà, avec mon ordi, Fraps, ça a du mal. Mais ça va redevenir bientôt normal, dès que j'arrêterai de courir comme un dingue. Ah mais elle me suit encore, hein. Tu veux t'envoler dans les airs, cocotte? Tiens. Alors. On va... J'ai l'impression qu'il y a des trucs... Ah oui, c'est vrai, il y a des PNJ dans les maisons. Hola, comment estás? Vous avez un gros pif. Tiens, vous avez deux portes. C'est cool, ça. Ah non, c'est un balcon. Enfin, c'est une terrasse. Casse-toi. Je peux pas te taper. Ah si, je peux te taper. Ah, ça fait quoi, si? Oh, c'est triste. Il donne même pas d'expérience. Il y a son ami qui est parti. Ah, il est là. Au secours, j'ai peur, mon ami a été tué, au secours. Ah non, finalement je vais rentrer chez moi. Oh là là. Très bien fait, l'IA de ce jeu. Alors, le jour arrive. Un coffre. J'ai dit un coffre, alors je fais un coffre. On va se faire juste un truc. Ouais, j'ai pas de torche, j'ai pas de charbon, je peux faire des torches d'ambrosium. Ouais. Ouais, on va se faire un truc comme ça, c'est très moche, mais ça me servira à me repérer que mon coffre et mon atelier sont là.
Voilà, on va poser un peu les affaires qui servent pas. C'est-à-dire tous les trucs qui viennent de laser en fait. Hein. Bon, sauf l'épée, on va garder, mais. Il va falloir que je me refasse des outils normaux. Bon, tout ça, on va mettre dans le coffre. Il va falloir s'en faire un deuxième d'ailleurs, deuxième coffre. Ah là là, cette aventure tourne au n'importe quoi, mais. Mais je sens que ça peut être fun. Je suis fou. Excusez-moi. Alors, les échelles, on garde, tiens. Ça aussi. Et ça, non, on laisse. Donc voilà. Alors, chercher du bois. Bon, écoutez, ça va pas être très dur de chercher du bois. Voilà, direct, on se fait une hache, hein, même si elle est en bois, mais c'est trop long, sinon, c'est trop lent. Non, c'est une pioche plutôt. Oula, je sais même plus utiliser. Tac, voilà. Hop, des bâtons. Ah, ça fait bizarre, c'est une aventure normale. N'importe quoi. Alors, une pioche pour miner de la cobble. Pas très dur à trouver non plus la cobble. Je suis en train de détruire leur maison. Les pauvres. Hop. Alors. Oh non, j'ai le nez qui coule, au secours, je suis malade. Voilà, avec ça on va se faire une hache et puis les outils en cobble. Une hache, une pioche. Une hache, une pioche. Une hache, une pioche. Et tous les jours je me réveille le matin. Alors, une pioche. Hop, et une hache. Et puis une pelle aussi, tant qu'on y est. Une pelle. Voilà. Ensuite. Ensuite, ensuite. Donc. On va. Va falloir. Aller récupérer de l'obsidienne. Oh non, non, c'est trop long ça. Du diamant, obsidienne et tout. Oh là 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 là. Finalement, c'est. Ça me tente moins. Il est drôle celui-là. Allez, on est parti. Ah non, mais le minage optimisé, je vais pas vous montrer ça. Bon, on va faire autre chose. On va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je suis désespéré en fait. Je dis n'importe quoi. Mais comment? Mais non, mais je vais pas tout recommencer à zéro. Non, 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 non. Je boude. Non. Non, je fais plus rien. Non, non, pardon. Ah, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bon, alors. What I do? What we do? What we are doing? So, il y a un puits. Ouah, il va où ce puits? Oh, il y a rien, je vais me noyer. Oh, faut que je remonte, oh, je suis bloqué. Oh, c'est le piège à con. Non, 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 c'est pas vrai. Oh, j'ai eu peur. J'imagine le mec qui vient qui a pas de pioche. Oh, ça y est, c'est fini pour toi l'aventure, Coco. Tu peux essayer de casser de la cobble à la main, mais ça va prendre 50 ans. Alors, donc je disais, il faut retourner dans les airs. Sans tricher. Sans tricher. Sinon, c'est pas drôle. Non, mais écoutez, j'ai envie déjà d'arrêter l'épisode là et puis de faire le minage optimisé et tout. Mais vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez qu'un pauvre petit épisode de Schmoudili. Et bon, je crois que je vais faire épisode demi. Ouais, je vais faire ça parce que là, c'est juste pas possible. Enfin, je vais pas vous faire du minage optimisé devant vous. Voilà, ça va être épisode demi et puis en même temps, dites-moi ce que vous pensez de ce que cette aventure devient du n'importe quoi, quoi. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Voilà, ça va être un demi-épisode, l'épisode 11,5, 11,2, non 11B, non, je sais pas comment je vais l'appeler, mais bon voilà. Alors écoutez, je vous retrouve. Après avoir fait mes galeries de minage optimisé, après avoir peut-être trouvé du diamant ou je ne sais quoi, enfin, je vais faire de mon mieux.
Et enfin, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, peut-être pour le prochain épisode de cette série, ou peut-être pour une autre de mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, et puis mettez un pouce vert, et puis voilà, tous les trucs qui sont bien pour moi, quoi. Donc voilà, allez, salut tout le monde, bye bye. Maintenant, c'est à vous de choisir comment Shaker continuera son aventure. En trichant? Simplement pour se faire un portail avec too many items et ainsi retourner dans les heures? En se suicidant? En mettant ses objets dans un coffre avant, mais qu'il a très peu de chances de retrouver? Ou en luttant, passer une partie de cette aventure dans le monde normal et essayer de se construire véritablement un portail vers les heures? C'est à vous de décider.